Breakover. Yes. Bon, j'ai un problème du côté du web SDR d'Ottawa. Ah. Ottawa. Bon, le mien est débranché. Alors, je mets un bouchon hein, dans le bout de la PL. Je me suis attrapé une PL châssis là, sur un vieux poste qui me sert de pièce détachée. T'es pas sûr. Breakover. Il est en panne le web SDR d'Ottawa. C'est lequel que j'ai attrapé? Montréal Laval? Breakover. J'ai le micro qui me démange. Hachi. Ça fait une émission qui est rare familiale. À bientôt, Jean-Pierre.
Les 73-51, 14 km 33-01, Rémi, Dandy 33 sur la Gironde, ainsi qu'à l'ensemble du Québec. Ah, ça fait plaisir, ça me démange d'attraper le micro. Là, c'est vrai que quand au niveau emploi du temps, c'est pas évident, ben, je sais pas si t'as remarqué, mais quand c'est pas évident, ben, c'est pas évident. C'est. Alors, tu vas bien? De mon côté, il y a quoi? Combien il y a de température chez moi? J'arrive pas à voir. Bon, c'est pas bien épais. Et le temps est maussade. Maussade humide. Enregistré 14 Charlie Juliette, les 73 André, 14 km, 33-01 Rémi, sur les départements de la Gironde, sud-ouest France, pas très loin, à 10 km de Saint-Émilion. Voilà pour le QTH. Et pour les conditions de trafic de mon côté, bon, c'est un petit Yazoo FT450 AT qui a bien 11-12 ans, oui, facile, oui, et qui fait toujours aussi bien son travail. Hachi. Et du côté de l'antenne, ben, c'est une vieille Sigma Mantova 8 qui est pas très haute, hein, elle est à 9 mètres de haut. J'aimerais bien la mettre beaucoup plus haute, mais bon. J'ai des contraintes ici sur le QTH qui font que je peux pas faire plus. Hachi. Ouais, affirmatif, hein, c'est bien passé de mon côté, hein, c'est du 55-56 là de mon côté, ça passe vraiment bien, c'est une bonne radio de 5, c'est super QRO. Ah, ça fait le yo-yo, affirmatif, ouais, je confirme. Mais c'est tôt ça. C'est tôt dans l'année pour qu'ils aient plus de neige.
Je suis sur le web SDR qui est dans le centre de Montréal. Mais bon, visiblement il est sourd. Hein. Et vu ce qu'on voit, il est chargé de QRM. Ah, si, Gilles il passe dedans, mais c'est très très QRP. C'est pas évident. Bon ben, Ottawa. Le web SDR d'Ottawa est en panne. Montréal-Laval, ça fait un moment que j'arrive plus à l'avoir. On fait une tentative sur Ottawa. J'ai entendu quelqu'un parler derrière au moment où j'ai repris le micro, j'ai relâché aussitôt. Bon, j'ai eu le temps de regarder la température, ben, tu vois, c'est du 9 degrés là ici. Hein. Mais je suis étonné quand même que chez toi, ça se réchauffe déjà aussi vite. On est quoi aujourd'hui? On est le 27, mardi 27 février. ça fait tôt ça chez toi ça. Là, comme c'est là, tu vas bientôt sortir la moto, ouais. Moi aussi ça me démange, mais le temps pourri qu'il fait, ça calme. Ouais, c'est précoce, c'est sûr que c'est précoce. Et oui, effectivement, avec le changement de température vers une autre saison, il y a forcément ça fait venir les tempêtes et tout. Bah d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a eu là dernièrement là de notre côté, avec aussi pas mal d'avance quand même. Et je vois là sur le sud de la France, Pyrénées-Orientales. Alors si tu vois la chaîne des Pyrénées, c'est en bas à droite. Voilà, dans le coin arrondi, là, en bas à droite de la chaîne des Pyrénées, hein, qui fait la limite avec l'Espagne. Eh bien, de ce côté-là, ils sont en sécheresse. Hein. Même encore à notre époque, hein, j'ai entendu ça à la télé, ils ont un méchant manque d'eau hein, là-bas. Quoi. Alors que nous, ça arrête pas.
Les fossés, je vois Alexis Grekel m'a raconté ça, là sur la route, les fossés sont de plus en plus inondés. Tout à fait là-haut, dans le nord, vers le Pas-de-Calais, par là, mais ils sont encore sous les eaux. Ça inonde encore de partout. Waouh, 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 pas bon ça. Ouais, bah, la pluie, j'aime pas trop ça, ça calme hein, pour prendre la moto. Je suis plutôt un rouleau sec, moi. Un chi. Quand j'avais mon ancienne moto, le trail, bon, là, ok, c'est vrai que ça m'est arrivé de rouler dans des conditions un petit peu, même parfois sur des routes inondées avec, mais avec celle que j'ai maintenant, non, je suis plutôt un rouleau sec. Donc, elle est prête, hein, la moto, hein, c'est sûr, elle est prête, hein. Non, c'est moi qui n'ai pas prêt pour le coup à cause de la météo. Hachi! À l'époque, ce qu'il faisait. Waouh! Ah bah oui, à lui, surtout lui. Passe plus. Ouais, comment t'es toujours catholique?
Oui. Alors attends, je suis en train de faire un essai là en même temps de mon côté. Oh là, attends, je suis en train de. Ouais. Que je baisse le volume de ça. Ouais, non, je vais carrément le couper là. Oui, je confirme, puisque je ne sais pas si tu te souviens, nous de notre côté sur l'Espagne, le restant de l'année, on a un phénomène, El Comandante. Et ce matin, ben, je l'ai entendu là, pendant que j'étais en train de bricoler. Ouais, ce matin, j'avais une réparation à faire sur le push de l'XYL, le Commodo code phare clignotant feu de brouillard. Enfin, le côté gauche, quoi, qui faisait des siennes et tout ça. Donc, putain, mais c'est casse-pompe, ça, à réparer. Hein. Oh la vache! C'est déjà que c'est très complexe à l'intérieur. J'ai dû le démonter, remonter 5 ou 6 fois. Hein, J'ai passé bien 2 heures et demie à le réparer. Hachi! Bon, ça y est, ça marche. Bon, bref, pendant tout ce temps-là, j'étais en écoute là sur sur le WebSDR. Et putain, j'entends l'autre, El Comandante. Ah, je me suis dit là, c'est mort. J'étais vraiment pas sûr, pas serein d'arriver à voir le Québec aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, sur le chat là, du WebSDR, j'ai laissé un message au copain en disant que ben, si le Québec passe, je couperai la réception. Puis après, j'ai mis comme ça, ben, ça n'a pas l'air gagné. On verra bien. Et là, oui, je confirme. Hein. Là, on doit vraiment être sur la fin. Mais bon, on va pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ni le Québécois avant de l'avoir tué non plus. Ah, chie 3 coups. On va profiter du temps présent. Ah, tu m'étonnes. Toi, je te fais confiance. Hachi! Et surtout que la bouteille de crème de whisky doit pas être très loin, je pense. Ouais, c'est mon premier café, là. Il est excellent. J'en étais sûr. Ah, cool. Allez, 73 à tournée, 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 sur la Gironde. Et bon après-midi de ton côté. Toi, Gilles, quand t'es réactif comme ça au niveau des vidéos, hein, ça va de suite beaucoup mieux, hein, pour les envoyer. Il fallait que je te casse les pieds un petit peu, histoire de plaisanter. Ouais, que c'est. Ben, des fois, quand je suis
Ouais, ouais, je sais bien. Ah, c'est un métier, hein. C'est un métier, quoi. Oh oui, un métier à plein temps, là. Ah, chi. À propos de métier, attends, deux secondes. Attends, bouge pas. Que je sais même plus comment ça marche, moi. Attends, bouge pas. Ok, voilà, ça y est. Et tiens, aujourd'hui, le Web SDR d'Ottawa, il est en panne. Hein. Celui-là de Montréal-Laval, je sais pas où il est passé, il a disparu. Du coup, je suis sur celui qui est dans Montréal-Centre, mais il est sourd. il est trop mal placé, quoi. Et ce qui fait que je suis un petit peu privé, beaucoup même, d'écoute là de ton côté. J'ai que là sur le poste et c'est tout. Là, je peux pas te dire s'il y a d'autres stations derrière. Mais est-ce que bon, j'arrive pas à trouver là. Je comprends pas pourquoi ça. Il faut que j'arrive à trouver d'autres web SDR de ton côté. Ah ça oui, oui monsieur. Bonjour les jeunes. Les 73 anciens, 14 km 33 01 Rémi, j'ai pas eu le temps de reconnaître, c'était trop bref, hein, à moins que ce soit le petit renard. Affirmatoire, c'est pour les trois. Salut Rémi, la fille. 65 euros à toi, madame, bien que ça t'écoute. Et puis, 60 ans à manger, je n'ai pas entendu que ça était hier. Bravo Charlie, triple 5 là. Voilà, le Québec, le petit oiseau du Québec. Comment tu vas, Rémi, à toi le micro. Merci pour le retour de micro. Eh ben, t'es à Policy Grecquel, la débauche, là, d'ici peu. Là, vu l'heure, elle est au vestiaire, là. En train de se changer, là, pour débaucher. Eh oui, l'oiseau du Québec est là. Retour de micro sur l'oiseau du Québec. Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein.
De mon côté il passe hein, évidemment, mais c'est vrai que là c'est parti un petit peu en cacahuète hein. Christian, je crois que tu vas être obligé de basculer sur la directive là pour Gilles. J'ai été basculé sur la directive hein, mais il m'a perdu hein. Bon, c'est pareil, ça avait chuté énormément. Là je suis vertical Rémi, comme quand j'ai briqué, quand je t'ai salué. Ça va mieux pour tes oreilles là Rémi? Oh, même en directive, t'arrives encore chez moi, hein, y a pas de problème. Hein. Mais bon, si ça peut être plus confortable pour Gilles, n'hésite pas à basculer en directive, hein, y a pas de problème pour moi. Hein. Oui, ça va être mis en directive, comme il est équipé des directives là. À toi, Gilles, si tu m'entends. IMAX 2000. Oui, c'est la omnidirectionnelle ici, la super IMAX 2000. IMAX 2000. Alors, c'est la version 5/8e. La même antenne que j'avais quand j'étais sur Gatineau, là. La même antenne. Ça marche bien, ça. Elle doit avoir plus de 20 antennes en fibre sans radio. À garder. Ça me tombe pas, moi.
Voilà, voilà. De toute façon, vu mon QTH, c'est pas la peine. J'ai une église classée monument historique à 70 mètres de chez moi. En plein village, en plus. Alors, je vais pas me plaindre de ce que j'ai. Merci pour un retour de sucette, Hachi. Oh ben pour ma part, moi j'ai toujours été sur vertical, que ça soit là sur le QTH. Ben, de toute façon, là où je suis là sur le QTH, j'ai pas vraiment de solution. C'est si je mets une directive, ça serait trop voyant. Et je pourrais l'utiliser que du côté ouest et sud-ouest. En gros, ouais, c'est tout. C'est tout à quoi me servirait la directive. Parce que bon, ben, côté nord, je tape dans la colline. Côté est, je tape dans la colline. Côté sud, eh bien, déjà la Mantova 8, au niveau des radians, arrive au ras de la route. Alors, non, ça serait une directive me servirait pas à grand chose, non. Et là où j'étais avant, que ce soit sur bord d'honneur, comme autrefois sur du côté d'Orléans, par là-bas ou Tours, là c'est pareil, hein, j'étais qu'en antenne verticale, hein, c'est tout. Hein. C'est puis bon, c'est vrai que à l'époque en plus, j'étais plus en QSO locaux, à délirer avec les copains, ceci, cela, faire de la vraie CB, quoi. Voilà, tout simplement, blaguer, se rencontrer, et ainsi de suite. À la bonne franquette, quoi, la vraie CB, ouais, comme je disais à l'instant, quoi. C'était plus ça autrefois, quoi. C'est ouais, voilà, quoi. Donc effectivement, pour ma part, l'antenne directive n'a jamais été un choix en soi, quoi. Et bon, c'est vrai, comme j'ai tout à l'heure, en plus de ça, moi ici là sur le QTH, je suis dans une zone sous bâtiment de France. Donc j'ai une église classée monument historique à 70 mètres de chez moi. Alors j'ai dû tout faire en sorte pour que ça passe inaperçu, quoi. Et comme j'ai des grands peupliers qui font une trentaine de mètres derrière chez moi, alors j'ai tout peint à la peinture à l'eau pour l'extérieur en vert palombière. Et il y a que comme ça que j'ai pu, que je m'en suis sorti et qu'il faut vraiment la fixer du regard pour la voir. Tu passes comme ça, tu vas passer 10 fois, 20 fois, tu la verras jamais, tu vas la fixer là, ok. Donc là, comme ça, c'est bon, quoi. Et en plus, je peux pas mettre de pylône. Je suis sur du mat télé. Bon, au banné, hein, évidemment, hein. Mais bon, je me plains pas. Ça marche bien. Au contraire, ça marche même super bien. Et tant que ça tient comme ça, ça va, c'est nickel. Oui, oui, oui. Je comprends, oui, Rémi, d'accord. On va être enfermé avec les collines, là, voilà. Oui, ça marche. Je suis dans la ville pour toi, tu peux écouter, tu vois, avec qui, là, sur les collines, très bien. Voilà, ouais, quand on est dans le mer, je peux attendre ça, 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 il y a pas longtemps, il y a un temps pour venir nous rejoindre, quand on était avec les jeunes, quand on avait déjà pensé de le parent, ça passait peut-être un peu 82 pour moi, où j'ai commencé la CB. 4 mai 1982, après-midi. Voilà. Ça. Ah, ça.
Ça veut dire qu'il pleut. Enregistrez le break. Les 73, la Bretagne du département de la Gironde, 14 km, 33,01, en espérant que t'es encore derrière. Alors Gilles, quand un Breton dit qu'il fait beau chez lui, ça veut dire qu'il pleut, qu'il tombe des cordes. Ah, chie trois coups. Il y a eu un break, Gilles. Je laisse le maître de cérémonie le faire rentrer.
Hop là. Il n'y a pas à rouge à son passage, et
des endroits qui vont peut-être avoir plus chaud, et il y en a peut-être qui vont avoir plus frais un peu, là, Jean-Noël. Tu veux ça? Ok, les 73-51 retournés, 14 km, 33-01 Rémi. Voilà, avec c'est à 9 degrés là de mon côté, temps moyen. C'est très moyen en ce moment côté météo. Pluie, vent, ciel gris. C'est vrai que c'est pas top top en ce moment. Enfin bon, bref, on fait avec. Ça nous empêche pas de moduler, c'est le principal. Et
merci beaucoup là. Ok, Jean-Noël, là, tu penses bien, ça fait d'argent pour moi. Bon, c'est comme ça, c'est important, hein, Jean-Noël, là. Voilà, 65 000 à toi, au suivant, et puis le tour, dans la piste, au bye-bye. Et 65 000 à toi, au héros, 65 000 à toi, René. C'est parti, là, je pense que tu t'avais salué au cas où. Bye-bye à tous, allez, je vais encore te dire, je vais te faire plaisir, là. Ok, les 73, le petit renard. T'as, j'ai de la merdouille qui arrive de mon côté, là. Bon, allez, on va dire que ça fait que passer. Ok, Christian, les 73 retournés. Bonne fin d'après-midi de ton côté. Bon, alors, Gilles, la météo passe de l'été à l'hiver, au printemps, à l'automne. T'as les quatre saisons en une journée, c'est ça, si j'ai bien compris. Wow, ça passe plus, on dirait. Ouais, ouais, si, bah toi, par contre, hein, tu passes toujours, il n'y a pas de problème. Ah, Inimax 2000, ça marche fort, Inimax 2000. Ça marche super fort. Et dire qu'il y en a qui la critiquent, cette antenne, eh ben, tout, je leur dis, ben, venez écouter un petit peu, là, sur le 27-625, comment ça fonctionne, Inimax 2000. Ça marche du feu de Dieu, cette antenne. Ah mais t'inquiète pas que je le sais quand tu tournes la tête hein, de ton côté, ça me fait un courant d'air là ici au QRA. Hachi! Le voilà, les 73-51, ça y est, il est debout, ouais, super, yes, toi Gilles, le voilà. Merci pour le retour de micro. Bon, en tout cas, de mon côté, là, ce matin, ben, j'étais pas mal occupé. J'avais du bricolage. Attends, je suis en train d'écouter un truc. Hein. Ok. Ouais, je crois que j'ai trouvé un web SDR, un autre web SDR sur Montréal. Ou, je sais pas, si ça passe un peu dedans, je sais pas. Ok.
ok. Ouais, ce matin, moi, c'était plutôt matin bricolage. Matin bricolage sur le push de l'XYL. J'avais des trucs qui déconnaient dessus, tout, là, plusieurs trucs. Allez, je me suis dit, c'est bon, puisqu'elle m'a volé la voiture. Oui, elle trouve qu'elle roule trop avec la sienne. Du coup, elle a pris la mienne. Et ben du coup dans le mobile, et ben la CB, ben je l'ai plus là pour le coup. Heureusement que j'ai le poste QRA hachi. C'est sûr, ouais. T'es retour de micro à Gilles, pour qu'il nous dise ce qu'il a fait là ce matin. Quoique non. Je suis pas sûr qu'il ait bricolé ce matin. Je crois que tout à l'heure il disait qu'il était encore au café. Donc je devine. C'est le pied par terre, poum, direction devant la station. Hachi, retour Gilles. C'est petit. Et c'est lequel? Ça passe bien. Okay.
Thank you.
Et ça se trouve, dans un mois, on sera encore là. Ah, ils n'ont pas le même accent, hein, Gilles et lui. Ils habitent au même endroit, ils ont deux accents différents. Merci pour le retour de micro. Alors les 73-51, l'OM qui vient d'arriver, 14 km, 33-01 Rémi. C'est vrai que là j'ai fait un petit peu autre chose en même temps, donc là j'avais un petit peu décroché là, le fil de la discussion. Je sais que c'est pas bien. Mais bon, rester inactif, moi j'ai du mal. Il faut toujours que je sois occupé, que je fasse un truc, hachi. Bon, en tout cas, quand j'écoutais la météo là que Gilles donnait, c'est vrai que c'est quand même, comme on disait là tout à l'heure, là, c'est quand même surprenant là. On est que le 27 février, ils ont des températures comme ça sur le Québec. J'ai pas tout compris là. c'est trop chaud ça pour vous. Alors que je me souviens, moi, c'est le précédent cycle de Propag. Tiens Gilles, quand tu étais là sur Gatineau et que tu allais là sur le lac salé, là, le lac glacé, pardon, où vous avez mis une cabane dessus qui faisait des moins 25, moins 30. Et que vous modulez depuis là-bas, en plus de la pêche qu'il y avait sur le lac, là, il faudrait peut-être ne pas recommencer, là. Là, ça ne doit pas être la même chose, là. Retour à toi, Gilles. C'est le bordel. Ah, on voit une traînée là. Thank you.
Ouais, affirmatif. Eh bien tiens, ça va être l'occasion justement de faire des chasses mobiles. Nous en France, on appelle ça des chasses au renard. Là, ça va être l'occasion de pouvoir. J'ai vu là justement qu'il y en a qui en font là par tous les temps. Mais là, ça va être encore plus cuiro là de pouvoir faire des chasses mobiles de ton côté là. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Oui, c'est sûr que là, oui, forcément, c'est dans le mobile. Ça vaut mieux, ouais. Tiens, puisque tu fais wap, je suis en train de regarder l'heure. Là, j'ai d'autres trucs là qui m'attendent et tout ça. Et puis il va y avoir tes vidéos en suivant qui vont tomber avec. Je vais passer en QRT, commencer à travailler la vidéo là de mon côté, de façon à être près du tien, Hachi. Donc les 73-51, tout le monde, wap. Bonne continuité de QSO. Demain, je sais pas, peut-être demain, je sais pas. Par contre, après, mardi nuit, mercredi nuit, je travaille. Donc, forcément, tu m'entendras moins, là. Allez, les 73-51, tout le monde, bonne continuité de QSO, retour Gilles. Désolé. Merci Gilles. En plus avec ce que je t'ai expliqué en message perso là, c'est vrai que le temps libre c'est pas évident. C'est quand on a plusieurs casquettes, on va dire au niveau occupation, c'est vraiment pas évident du tout. Les 73-51 retournés, les 73 Jean-Louis ainsi que l'ensemble du groupe. Merci à tous. Bye. Oh oui, tu as raison. Merci. Bon QSO. Bye. Merci. Tout ça retourné. Bye bye. Non. Et tu as déjà levé que ce soir.
descendu le volume du micro. Tu vois, c'était meilleur. C'est moi qui ai un peu de pêche. Bon, allez. Ok, on va mettre la colle sur le bouton. On va mettre la colle sur le bouton. Il est temps que je remette le WebSDR en route. Les 73-51, 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, la planète Sibi francophone. Ah, j'arrive pas à couper. Je suis sur l'antenne Carbone. J'ai encore le poste de brancher. Faut pas que je touche le micro. Prochaine semaine qui vont venir, on va être excellent, on va voir sur le printemps, mon ami Joe, d'abord.